Salut tout le monde, c'est Sans Faille de la chaîne Sans Faille Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo bestiaire sur Ark Survival Evolved. À l'occasion de sa sortie officielle, je vais vous présenter toutes les variétés de dinos qui se promènent dans ce monde un peu particulier. Et on va commencer par la plus gentille de toutes les créatures que vous trouverez sur cette île, c'est le dodo. Voilà, cette espèce de petit poulet. Vous en trouverez toutes les couleurs, il y en a un vert ici, un gris et vert, un autre vert, un bleu, et tout de suite on va donc en apprivoiser quelques-uns. Alors pour ça, plusieurs méthodes, le classique avec la bolasse, hop là, quelques petites flèches tranques. Et voilà, hop là, fais dodo. Petit jeu de mots, hop, vous n'avez pas besoin de les bolasses, hein. Voilà, vous voyez, même une flèche de trop. Hop, vous ramassez des baies. Car le dodo s'apprivoise avec des baies, ses préférés étant les méjoberries, les baies violettes. Hop, on a largement assez, salut le pteranodon. Hop, on va le mettre dans l'inventaire. Alors moi le dressage se fait très rapidement car j'ai augmenté la vitesse de timing pour les besoins de la vidéo. Voilà, hop, on lui met des quelques petites narcoberries, ces baignoires qui servent à faire remonter la torpeur. Voilà, on en a déjà un. On l'appelait dodo. Numéro 1. Accepté. Voilà, le deuxième est apprivoisé aussi. Dodo 2. Voilà, hop. Voilà, comme vous le voyez, ils sont en train de me suivre tous les deux. Par défaut, les dinosaures que vous apprivoiserez sur cette île vous seront en suivi. Donc vous voyez, c'est bien marqué, en train de suivre sans faille, niveau 100. Alors vous affolez pas, vous ne serez pas niveau 100 dès le premier jour. Et en comportement, ils sont en attaquer la cible. Hop, on appuie sur E. Autre option, le statut. Alors si vous le mettez en agressif, il va s'attaquer à toutes les créatures qu'il croise. Le dodo étant assez fragile, je vous le déconseille. En neutre, il va simplement se défendre. Si un autre dinosaure, un dilophosaure ou un raptor, n'importe quoi attaque, il va se défendre, attaquer votre cible. Et bien, si vous attaquez un autre dinosaure, il va se jeter dessus aussi. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste passif. Voilà. Vous avez aussi l'option, si vous appuyez moi par défaut, c'est sur T, vous sifflez passif. Hop, et tous vos dinos sont en passif. Hop, on va les ramener à la cabane. Oui, c'est parfait, on a un couple. Magnifique petite cabane hein, qui m'a pris 10 secondes à construire. Hop. Et vous pouvez les ramasser. Hop. Allez hop, rentre là-dedans toi. Voilà, je vous conseille d'apprivoiser plusieurs femelles pour un mâle. La seule utilité est qu'elle pondent des œufs. Voilà, bah voilà, ça a été très rapide. Hop, voilà, un œuf. Sur Ark, les œufs ont une très grande utilité. Ils vous servent à fabriquer des croquettes pour apprivoiser d'autres dinosaures. Ou bien, dans mon cas, moi, j'ai un petit creux. Hop là. Je vais les manger. Le dodo se trouve un peu partout. C'est pas le dinosaure le plus difficile à trouver. Ni, comme vous l'avez vu, le plus difficile à apprivoiser. C'est marrant, on les entend à l'intérieur. Voilà, vous voyez, il y en a un peu partout. Voilà, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance sur votre partie, une bonne chasse aux dinos, et à très vite pour le deuxième épisode de ce bestiaire.